j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de culottes. Le sujet tabou dont personne ne doit parler sur YouTube et encore moins sur les réseaux sociaux. Mais pourtant, toutes les femmes en dessous de 50 ans ont ça tous les mois. On va pas présenter le mot, sinon ma vidéo va être démonétisée. Déjà que je suis pas payée beaucoup, voire qu'elle dit rien. Si vous entendez des bruits, ce sont les chats sur l'arbre à chat qui font les fous. Donc on va pas présenter, dire le mot tabou, R-E-G-L-E-S. Sinon, en fait, la vidéo va être bannie. Donc on va dire que nous avons des pompons. C'est nul! Donc toutes les femmes ont leurs pompons tous les mois, mais malheureusement, la plupart des gens font que c'est devenu un sujet tabou et qu'on trouve très très peu de choses sur YouTube. Et le peu que je peux trouver sont vite démonétisés, ne sont pas proposés aux gens, donc ont très peu de vues, donc du coup on reste dans le stéréotype de c'est tabou, faut pas en parler, c'est pas normal, mais si, avoir ses pompons tous les mois jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire 50 ans, c'est normal. C'est normal d'avoir mal à la tête, d'être fatiguée. Toutes les femmes du monde, ou presque, ressentent ça. Moi, en vieillissant, les symptômes sont de pire en pire, parce que dans 10 ans, j'espère, je serai délivrée, j'aurai ma ménopause. Mais en attendant, ça fait plus de 30 ans que j'ai mes pompons tous les mois. Et oui, à peu près, oui. Je les ai eus très très tôt. Donc j'ai testé au tout départ des serviettes. Ça ne me convient pas du tout, cette sensation de frotter. Vous savez, vous avez des languettes sur le côté, ça me convient pas du tout. J'étais passée par des tampons qui me brûlaient énormément. J'ai trouvé des tampons il y a un an ou deux totalement bio où j'ai un petit peu moins mal, mais j'ai toujours mal quand je les mets et je les enlève. Et depuis quelques mois, voire quelques années, on entend parler donc des culottes pour les pompons. Alors, c'est peut-être un petit peu moi, mais je me méfie des vidéos des grandes youtubeuses, que la vie n'est pas toujours super honnête parce qu'elles, comparé à nous, on reçoit les produits, mais la plupart sont payés. Donc je me méfie toujours un petit peu de vraiment leur honnêteté, d'en dire si c'est bien ou si c'est pas bien. J'ai une copinette YouTube qui avait fait d'ailleurs une vidéo sur les culottes pour les pompons. Je suis en train de chercher pour vous écrire correctement le nom de sa chaîne. Colorful Palette. Je vous le mettrai quelque part. Elle a fait une vidéo hyper sympa sur ça. Je me suis fie totalement à 100% à son avis. Mais c'est comme tout, on a besoin de plusieurs avis. Donc j'ai Tiffen du site Sister Republic qui m'a contactée, j'étais ravie parce que je vous dis je voulais tester depuis longtemps, mais c'est bête, mais j'avais peur quelque part d'investir pour être déçue. Donc là je vais vraiment pouvoir vous donner mon avis totalement honnête. J'en ai discuté avec Tiffen, du site Sister Republic. J'ai le droit de vous dire que j'aime ou que je n'aime pas, que c'est adapté ou que ça ne m'est pas adapté. Elle m'a laissé totalement libre de dire ce que je voulais en vidéo. Donc merci beaucoup Tiffen de me laisser ma liberté de parole, c'est très très rare de nos jours sur YouTube. Donc j'ai reçu aujourd'hui, nous sommes vendredi, je vais vous dire ça, 28 août, j'ai reçu aujourd'hui donc mes culottes pour mes pompons. Donc je vais vous mettre là comment ça se passe sur le site quand vous commandez. Vous allez sur le site, vous choisissez votre culotte, vous choisissez le niveau d'absorption, s'il est light, medium ou beaucoup. Donc j'ai pris le modèle Sidoni comme ceci, donc ça ressemble vraiment à une culotte, c'est une bikini Sidoni noire taille S, c'est absorption médium. Franchement, j'ai été livrée en 2 jours en Colissimo dans ma boîte aux lettres. Ça se présente comme ça dans des petits trucs cartonnés, vous voyez. Donc ça vous dit enfiler simplement votre culotte et profiter d'une protection jusqu'à 12 heures. C'est un tissu ultra absorbant, étanche, qui se trouve à l'entrejambe. Donc il suffit de rincer à l'eau claire et de le passer en machine à laver. Rien de bien compliqué. Il y a un petit livret là, petit conseil des sisters, donc où elle vous explique le lavage en machine, etc. etc. Elle vous explique également quel degré d'absorption choisir en fonction de vous. Donc il est juste ici. D'ailleurs, j'ai un code promo de 15%. C'est MAMCHA15. Je vous le mets là et je vous le mettrai en barre d'infos. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. Je ne suis pas payée si vous utilisez le code promo et si vous cliquez sur le lien. Vous savez que j'aime les choses totalement claires et honnêtes. Donc cette vidéo va être en 2 parties. Là, je vous présente ce que j'ai reçu. Quand mes pompons seront passés et que j'aurai testé la culotte pour pompons, je vous ferai une deuxième partie de vidéo, mais vous, ça sera une seule et même vidéo, avec mon avis sur l'utilisation et le lavage. Donc je vais vous en présenter une.
Donc, comme ceci. Zéro fuite, zéro humidité, zéro odeur, zéro produit toxique, zéro déchet, zéro gaspillage. Pourquoi j'étais tentée, alors, pour la culotte, pour les pompons? Déjà d'un, par rapport au prix que ça coûte tous les mois. Vous avez calculé sur une vie combien d'argent on investit pour des protections pour pompons tous les mois. Sur une vie, je vous assure, c'est énorme. Mais c'est énorme. Sachant que ça fait énormément de déchets, que ce soit des serviettes ou que ce soit des tampons, il y a un emballage plastique autour qui se jette. Pour les tampons, on peut les mettre dans les toilettes, mais le reste, ça va à la poubelle. Ça reste de l'emballage. Ça reste des déchets inutiles, je trouve. Et pourtant, c'est des déchets dont on ne peut pas se passer parce qu'on a de ces pompons tous les mois. Donc je vous présente la culotte, elle est comme ceci. Donc je l'ai mise sur mon meuble blanc que vous voyez bien. Donc là vous avez de la dentelle qui est très très jolie, comme ceci. Là c'est très très doux, on sent vraiment qu'il y a, que c'est un petit peu plus épais au niveau de l'entrejambe. On voit là la compo, pas de javel, pas d'adoucissant. Très très joli, on sent qu'il y a vraiment une protection qui va de là jusqu'ici. Bien sûr, je vais la laver, je vais laver les deux avant de les utiliser. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller sur le site des Sisters République. Vous avez pas mal de modèles, vous avez plusieurs tailles, plusieurs niveaux d'absorption. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Et n'oubliez pas que c'est aussi pour votre santé. On ne sait pas trop si vous regardez la compo des tampons ou des serviettes, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques années, temps même, semaines, enfin, ou cette année, il y a une enquête qui est parue sur ce qu'il y avait dans nos protections et c'est pas joli joli. N'oublions pas qu'on se les met quand même dans le corps. Donc je vous dirais que j'ai testé plusieurs trucs, les serviettes, les tampons, les cups. Je ne suis pas fan de la cup, ça reste quelque chose, je suis pas fan, je trouve ça bizarre, j'ai testé, c'est pas mon truc. Donc j'espère vraiment que les culottes, ça va me convenir à moi, parce que je veux vraiment arrêter d'utiliser des tampons et de me mettre quelque chose dans le corps où je ne sais pas trop quel est le composant. Donc voilà, la première partie de cette vidéo est terminée. On se retrouve donc dans quelques temps, mais pour vous, ça sera tout de suite quand je les aurai testées et lavées. Moi, je vous fais des bisous. N'oubliez pas le code promo MAMCHA15. Il est valable 3 mois et une seule fois. Et donc moi, je vous dis à une prochaine vidéo, mais pour vous, ça sera à tout de suite. Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Enfin, c'est bizarre de dire ça. Enfin, oui, si, puisque pour moi, c'est une autre partie de vidéo, même si vous, c'est la continuité de la première. Enfin, bref. Je reviens vers vous, oui, vers vous, forcément, je reviens pas vers le mur, Sarah, réfléchis. Je vous fais un retour concernant la culotte pour les pompons, la culotte pour règles. Très franchement, pour moi, que du positif, j'ai arrêté et j'arrête totalement les tampons. Alors, le premier jour... Enfin, c'est même pas le premier jour, c'est la première matinée. Il faut le temps que le cerveau, en fait, enregistre que vous avez une culotte pour règles et vous mettez pas de tampon. Donc, je vous dirais que la première matinée, j'étais pas en stress, mais j'étais... j'ai mal au ventre, j'ai oublié de mettre un tampon. Et puis, tout de suite, ah bah non, j'ai une culotte. J'ai eu le même réflexe dans la voiture. J'étais là, ah ouais, mais non, rassure-toi, tout va bien. Je l'ai eu un petit peu fin de matinée, bah, quand c'est le moment de se changer, en me disant j'ai oublié, j'en ai pas dans mon sac. Et tout de suite, en fait, on se rappelle qu'on a une culotte exprès. Ensuite, je vous dirais que tout a coulé pendant... Enfin, tout a coulé, c'est peut-être pas le bon mot. Je recommence. Tout s'est très bien passé pendant cette période, donc qui a duré 6 jours. Le soir, je l'ai rincé en prenant ma douche sous l'eau. Et puis après, je les mettais en machine. Donc ça s'est très très bien passé. Elle sèche... assez vite, mais je vous dirais que quand vous les lavez le soir, elles sont sèches le lendemain soir parce qu'elles sont assez épaisses, ce qui est normal, elles mettent du temps à sécher. Forcément, 5 jours, il vous faudra, enfin, si votre cycle dure plusieurs jours, il vous faudra plusieurs culottes puisque vous devez la changer quand même tous les jours. Je n'ai eu aucune fuite, j'ai porté un short parce qu'il a fait très très chaud, un jean, une jupe blanche, aucune fuite. Aucune sensation d'humidité, même en allant aux toilettes, j'avais vu d'autres vidéos, c'était bizarre quand vous allez aux toilettes, vous savez que vous la remettez, vous avez cette sensation d'humidité, pas du tout. J'ai trouvé que j'avais beaucoup moins de douleurs ce mois-ci, on a forcément les douleurs de notre cycle, forcément. J'avais plus ces douleurs, vous savez, quand on met, quand on enlève le tampon, donc des douleurs en moins. Que du positif, franchement, que du positif. Aucune fuite, aucune tache, aucune sensation d'humidité. Dans la journée, ça ne sent rien, on ne sent pas mauvais. Mon jean, mon short ne sentait pas mauvais.
que du positif, aucune réaction allergique, aucun bouton, aucun échauffement. Franchement, je vous recommande vivement les culottes de chez Sister Republic. Je vous remets mon code promo en barre d'infos, c'est MAMSCHA15, vous aurez 15% de réduction sur votre commande. Quand j'ai posté sur Instagram et sur Facebook, on m'a dit que j'étais payée. Enfin, je ne suis pas payée pour faire la vidéo, je ne suis pas payée si vous passez commande et je ne suis pas payée si vous utilisez mon code promo. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, je ne suis rémunérée sur rien. Sister Republic m'a juste offert les culottes pour pouvoir vous en parler. Donc voilà, très franchement, je vais m'en commander une de plus, voire deux, parce qu'il m'en manquait quand même quelques-unes. Que du positif, vraiment. Je les ai portées le jour, une différente la nuit. Aucune fuite la nuit. C'est la première fois depuis 20 ans, je pense, que je ne me réveille pas la nuit pour me changer. Il n'y a eu aucune fuite dans mon lit, sur mes draps, sur mon pyjama. Parce que oui, je dors en pyjama. En culotte et en t-shirt. Voilà, vous saurez tout comme ça. Excusez-moi, Lilou, elle a décidé de brailler après son doudou. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Moi, j'ai pris le modèle Sidonie, mais vous avez également d'autres modèles. Les tailles vont jusqu'au double XL ou triple XL, je ne sais plus. Alors certes, ça reste un budget, mais je vous dirais que ça sera vite amorti. Parce que par exemple, moi, pour vous donner un ordre d'idée, il me faut à peu près 2 boîtes de tampons. Par mois, oui, vous multipliez ça par 12 mois, ça fait un sacré budget, voyez, et c'est du budget que vous jetez à la poubelle et qu'il faut toujours racheter, alors que là, vous l'achetez certes une fois, mais après, vous ne rachetez plus. Il n'y a plus de déchets inutiles, il n'y a plus de pollution inutile, vous ne mettez plus de choses bizarres dans votre corps. Donc vraiment, je vous les conseille. Si vous êtes comme moi dans un souci de réduire ses déchets, c'est parfait. Vous pouvez aussi avoir envie d'arrêter de mettre quelque chose dans votre corps dont vous ne savez pas toujours la compo. Même si ils vous font du super greenwashing, les marques, avec ces bio, ces machins, ces trucs. Vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qu'il y a comme produit dans votre tampon. Donc je vous dirais que moi je suis super contente d'arrêter les tampons. Et vraiment, je revis. Donc voilà, j'espère que ce retour sur les culottes vous a plu. Vous a plu, c'est peut-être pas le bon mot. Vous a éclairci plutôt, vous a donné un avis objectif. Parce que de toute façon, vous le savez, partenariat ou pas, je dis toujours ce que je pense. Et là franchement, c'est un super partenariat. Je remercie Stephen qui m'a contacté pour me proposer ce test. Merci beaucoup. Après tant d'années de galère à trouver les bonnes protections pour moi, j'en ai jamais trouvé aucune. Je suis hyper contente, mais vraiment hyper contente de ces culottes pour pompons, voilà, pour culottes pour règles. Donc voilà, j'espère que la vidéo complète vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.